Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tony RC. Je suis avec Nicolas Mariette. Ouais, Ça va Nico? ça va et toi? Et oui, dans cette vidéo, vous allez avoir un super reportage que Nicolas il va nous faire à la Bugiland du Yes. côté de Madrid en Espagne. C'est Voilà. ça, la première pour moi. Tu nous fais vivre la Bugiland parce qu'on la connaît pas, mais il paraît que c'est une super course. Tu nous montres un petit peu de toute cette course et puis les ressentis des Français. Ça marche, et bah, j'essaierai de faire de mon mieux en tout. Merci à On tous. verra. Et puis Merci. voilà, je passe la caméra à Nico. Allez. Ah, voilà, je suis arrivé à l'aéroport là. Et maintenant, on a posé les bagages. On va les donc passer donc les rayons X comme je les appelle pour passer nos bagages et puis à l'attente le départ du vol. Allez, Bugiland, on arrive. Là, enfin arrivé à la Bugiland, je suis avec le poteau Jérém. Voilà, donc on Salut tout le découvre. monde. Allez, donc Jérém est arrivé ce matin avec Nathan, il y a JP là-bas. Donc maintenant je vais vous faire voir un peu la piste. Donc belle piste, ils sont en train de finir un petit peu. Attendez, je retourne tout ça. Hop. Yes, c'est toi. Il y a une caméra dans les mains, mais elle peut être calée. Ah bah heureusement. Voilà. Ah, ici, on est avec Nathan. Attends, je suis dit. Fais un petit Yo. sourire. Mon copain, notre copain JP. Allez. Mais c'est pas sourire. Hein. Bon, si, si, il a fait un petit sourire quand même. Bon, il est en train de préparer, tu vois. Il est en train de faire ses pneus. Et préparer les voitures pour demain. On va faire un petit tour des stands. Vas-y. Voilà. Donc, on est arrivé. À l'entrée de la Bugiland. Là, ils sont encore en train de préparer. Yes. Petit. Hello. 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 Salut. Ah bah tiens. Hello. Salut. Voilà, donc on est au petit matin vendredi avec les collègues à la Bugiland. Ouais. Avec. Il téléphone dans les chiottes. Il téléphone. Je pense que. Tiens Nico, je vais te mettre un truc dans la bouche. Non, non, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Hey, je suis en train de filmer, bande de ouf. C'est rigolo. Ça va te changer plutôt que bon, d'avoir. Non, j'en veux pas. Plutôt que d'avoir dans le cul. Oh putain. Putain, mais t'es infernal toi. Laisse-moi filmer. Oh. Allez. Avec mon copain. T'as un sourire? Ça va mon copain? Ça va. C'est lui mon copain, là. Bonjour. Bonjour, je suis un petit peu. Ça va? Nico. Ça va? Ouais, ça va, c'est Nico aussi, ouais. C'est voilà, les meilleurs. Tiens, un mic, c'est pour Tony, ça. Tony Ah, RC. Tony, Salut les gars. Salut. Voilà, on se fait un sourire. Il est à fond voilà, il est à fond là, il s'en prépare. Ah, il m'a mis carrément caméraman. Ah, les gars de Paris. On est en pleine préparation. Ça va les gars? Ah oui, tu roules sur soir ce matin?
C'est ta première? On va switcher, ouais. Bon, écoute. Ouais, les gars, bonne journée. Voilà. 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 Dia. Dia. Ma sta sedia qua la posso lanciare. Bonjour. Faites un petit sourire, les gars. Bonjour à tous, petite promenade dans les stands de la Bugiland 2023. Nous allons faire un tour complet des stands. Notre meilleur pilote techno actuel, remplaçant de Marco Baruffolo. Ah ouais, je prends le pilote. Comment se passe votre course, monsieur Nicomar? Ça va, ça se passe. On a découvert la piste, hein, c'est très technique. Il y a du level, hein, mais on s'amuse bien. Et on revient à des pistes qu'on n'a pas dans le nord, c'est-à-dire que de la terre. Donc, faut s'adapter, hein, par rapport au synthé où t'as plein de grippe, hein. Là, il y a les changements de température aussi. Et c'est des journées très longues, hein. Avec une température extérieure de 34 degrés actuellement. Voilà. À l'ombre, hein. À l'ombre. Bah, merci, mon loup. Là, nous avons le stand Mayako. Nous avons un pilote de la team techno, Morgane. Comment se passe votre course, Morgane Mazur? Voilà, faut pas être aussi bavard, ça devient grave. Merci beaucoup. Là, nous avons la team X-Ray, en grosse partie, un petit peu de tout. Là,
Nous avons des têtes très connues de chez nous. Là. Bonjour Lorenzo. C'est Tony Arcé. Voilà. Allô. Quoi? Si, ça veut dire. Bonjour. Chaîne Tony Arcé. Ah, pour Tony, salut Tony. Ouais. Et du coup là. Voilà. Là, nous avons qui doit être en train de rouler Marco. Voilà. Eh ben écoutez, nous avons fait le tour des stands pour vous faire visiter un petit peu là, le panneau d'affichage. Il y a de la place, faut le dire. Apéro. Ah, voilà, les gens du ouais, Nord, français. Les papis, hein, tu es en train de boire un coup, une bonne bière. Là, là ici, la buvette. Là, on n'a rien à leur envier, hein. Il n'y a pas de souci. Le magasin Modélix. Et nous allons aller voir la piste de là-haut. Les thermiques qui vont partir rouler. Le ravitaillement. Le podium. Aussi grand que la piste. Tu peux facilement tenir une bonne vingtaine de pilotes l'un à côté de l'autre. Là, la caméra permanente qui est filmée et je suppose en live. La ligne droite. Raté. Et le tour est terminé. Voilà. Ici la cabine technique, je pense sono et puis vidéo. Et de l'autre là-bas le comptage. Voilà. Et les stands vus d'en haut. Car number 3, Hopper. Stop and go penalty. Car number 3, Hopper. Stop and go penalty. First. Second. Third. Fourth. Fifth. Sixth. Seventh. Moi, je vais essayer de vous filmer un petit peu de... Bah, des pros, ah là, en thermique, j'ai pas eu trop de temps de filmer avec un week-end très très dur et très très long. Allez, je vous filme ça, les gars. La photo est bonne, hein?
Juan Carlos. Je vais chercher un garrot. Garrot là, la deux blanches avec les chronos savoyards. Allez. Y en la pole position, un coche en Movement, motor ninja, ruedas corre y si la soy ahí, Dolus, tenemos a Britan King. Thank you.
elle attend même plus le gong. Non, non, regardez ça. Allez, Hugo. The team is finished. Et on va regarder les résultats. On va aller voir, je crois que c'est Ongaro, Canas. On va aller voir. On va aller voir ça. Attendez. Alors. Donc, Ongaro, Canas et Burak Click. Ensuite, Marufolo. Encore Click. Le deuxième frère. Pariente, Ricardo Berton, Robert Bertel, Elliot Bousse, Bruno Savoya, Oscar Navarro, José Miguel, Oscar Baldon, Pico, Adrian Pariente et Jornad Lott. Elliot Bousse avait bien monté, hein. Il avait même dépassé David Ongaro, je pense qu'il est arrivé. Peut-être une faute. Ouais, salut. Là, je suis avec Bruno Savoya, là, il gage de finir. Ouais. On va prendre un peu ses impressions après sa course. Ça a été, Renaud? Ouais, bah, c'est une heure de finale, c'est toujours un peu difficile. On n'en fait pas souvent, on a plutôt l'habitude de 45. Ouais. Mais une heure, là, c'est bien passé, on fait top 10. Les 9 étaient juste devant. La stratégie de plein qui était plutôt payante, parce qu'on avait quasiment 11 minutes d'autonomie avec le Pico P3 TT, donc on a pu vraiment jouer un peu sur la stratégie. Et puis, zéro faute pendant 60 minutes, donc je suis content. Ah, j'ai vu, hein, j'étais suivi. Pas passé, c'était plutôt bien. On avait quelques supporters, hein. Ouais, carrément. On était sur le coup là-bas. Cool, avec le drapeau. Donc, ouais, carrément. Donc, non, total, je suis super content. Voilà, c'est une grosse course au niveau européen. En fait, allez, il y a un beau palmarès. Ah, c'est un championnat d'Europe, quoi. On a carrément. Trois, les Ronfal, les Quello, et puis. Ouais, c'est tout. Puis la brochette est faite. C'est dedans, t'es dans une belle brochette. Ouais, quoi. Ouais, franchement, c'est une belle expérience pour toi aussi. J'étais le plus vieux de la finale. Et... C'est vrai, ça. Ouais. C'est vrai. Je suis le plus vieux. Il y a Robert qui a un an de moins que moi, et après, ils ont tous la moitié de mon âge. Carrément. Quel âge il a, au Garo, tiens? Parce que moi, peut-être qu'il y en a qui savent pas. Quand il y a, il y a. 22. Il y a presque la moitié. Voilà. Bah, bon, il a la moitié, en tout cas, des 45. 14, il y a 36. Voilà. Voilà. C'est fait. Allez, hop. Mais bon, c'est bon. On verra dans 14 ans. Oui, voilà. Ouais, voilà. Tu vois, déjà, je pense que déjà, s'il arrive comme toi, ça sera déjà pas mal. Il y a un titre de champion du monde que moi, j'ai jamais eu. Ah, tiens. Ouais. Mais Euro, bon. Genre, zéro. Ah, Euro, non. Combien on a, en fait, des titres? 3. Euro, 3. 4 finales mondiales. 4 finales. Et plus, fois champion du monde. J'apprécie toujours être là sur les circuits. Après, je sais que je suis plus là pour partir à la Bugiland. Je sais que je vais pas la gagner, quoi. Mais... Et tu viens pas mieux, c'est top 10. C'est bien, c'est pas mal. Voilà. Bah, écoute, je te remercie, Renaud. Merci. Allez, à plus. Ciao, ciao. Ciao, ciao.